Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais plutôt pas mal. Comme vous pouvez le voir, je se retrouve donc sur Battlefield. Et là je suis en live et pour commencer je vais prendre... Ah je sais pas, attends, la cache. Et ouais, et donc j'ai fait cette vidéo pour vous parler un petit peu, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait sur BF3 et encore moins en vous parlant. Et donc là on va partir sur des BF3. Donc j'ai 2-3 trucs à vous dire, bon rien d'extraordinaire mais j'ai quand même des 3 trucs à vous dire. Donc on va parler de Dark Orbit, on va parler un petit peu de DayZ et peut-être prochain. Est-ce que tu dégages le chat? Ah, donc on freeze. Ouais, c'est bon. Ouais, donc on va parler un peu de tout ça. On va voir un peu ce que ça donne. Suivant mon envie, je vais faire quelques minutes pour moi. Parce qu'il faut savoir que je suis toujours au lycée, donc j'ai quand même des horaires de merde. Premier kill. Oh, il y a un mec là-bas. Bon, passer en scred là. Ouh, je l'ai vu. Oh mon con, je l'ai vu. Donc, on va commencer par Dark Orbit, hein, je pense que... What? Quoi c'est freeze ouf? Il est parti l'enfoiré, il est parti le petit enculé là, ce batteur de merde. Il est mort lui. Alors, oh putain, tu te casses, voilà. Donc on va parler de Dark Orbit, donc sur Dark Orbit on va bien sûr, il est où? On va bien sûr parler de mes... Ah enfin, de mes choses nouvelles. Donc on va parler de mes améliorations, on va parler un petit peu de tout ça, tout ça. De la vie un peu là. Oh putain il y a monsieur. Mais dis donc, c'est qu'ils sont mauvais en face. Ah de bugger ça fait. Non, il arrête pas. Oh fais chier. Oh putain il y a un autre. Mais il y a un one shot. Bon c'est pas grave. Donc en premier on va parler de mes améliorations. Faut savoir que sur Dark Orbit j'ai amélioré pas mal de choses juste hier. Parce qu'il y a eu le moins 25% amélio. Putain qu'est-ce qu'il fait derrière nous? Et pourquoi je l'ai pas attaqué? Bon c'est pas grave. Quand tu te fais dégommer mais c'est pas grave. Donc j'ai amélioré un peu ce que moi je compte avoir 20 boucliers level 16. Ouais à la fin au final. Mais pour voir ces 20 boucliers level 16, je pense que je vais en chier. Mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Il vient d'où? J'ai pas vu, il était caché. Bref. Ouais donc je me suis fait un peu plaisir. J'ai niqué à environ 40 000 euros. Bon c'est pas grand chose pour les améliorations mais c'est toujours ça. Ensuite on va parler de mon nouveau équipement. Parce que j'ai eu des choses nouveaux. Pas beaucoup, mais j'en ai eu un peu. Ah bon, on avait une grenade ici. Est-ce que... Ouais, j'ai pas eu grand-chose, j'ai eu deux LF4 de plus, et plus le Solas, mais le Solas, je crois, j'en ai déjà parlé. Bon, voilà, donc ça s'est concrétisé, je l'ai mon Solas. Là, j'ai même fait une petite version juste pour l'annoncer. Parce que j'étais assez content quand même de l'avoir. Je l'ai payé extrêmement cher. D'ailleurs, je vais peut-être vous mettre un petit screenshot. De ce que de m'envoyer enfin, du prix en tout cas. Il y a un mec derrière moi. Ah, ça peut servir. Oh, il y a un mec là. Oh, il est sérieux lui. En plus, tu fais auto-kick, je crois. Voilà, il s'est fait auto, enfin, pas auto-kick, mais auto-killer, disons. Par contre, des fois, je renifle tout ça, c'est parce que j'ai le nez un peu bouché. Hein. Je suis désolé d'avance. J'ai pas du tout pensé de me moucher avant. La vidéo
Bon, ensuite, je vous ai parlé un petit peu de mes améliorations, comme j'ai fait pas mal plaisir sur mes élèves 4 et boucliers. Et j'ai aussi de nouveau élèves 4 depuis et le solace. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo exprès. Salut. Oh, oh. Oh mais elles sont deux maintenant. Oh, j'ai kiffé cette partie là. Bon, ensuite on va bientôt bien sûr parler de mes vidéos invasion, parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. Bien sûr, j'arrête pas ces vidéos là hein. C'est mes vidéos qui me prennent moins de temps à faire. Enfin, moins de temps. Pas vraiment. C'est plus facile à faire, disons. Mais moi j'essaie de faire un nouveau truc, enfin un nouveau truc. Entre guillemets. Oh merde. Je l'avais vu tout au loin, ça, le petit enfoiré là, mais. Je pensais pas qu'il allait me faire chier. C'est une petite MK1 là. Oui, on arrive à y. Dessus. Hop là. Ah oui, donc pourquoi je fais pas de vidéo sur BF4? Parce que BF4 je l'ai pas acheté. Je vais pas acheter ce jeu, non, c'est vrai. Je sais que j'avais dit que j'allais l'acheter, je sais que tout ça, mais. Non, je fais pas ça. Ouh, putain, ça arrive. Oh, oh, c'est bon. Oh, il y a le sauté. C'est mon loufion quand même. J'ai pas. C'est un serveur, je crois que c'est à 300 tickets. Il me semble. Enfin, je sais pas. Regarde alors, pas mal. Oh, il est parti là-haut. Aïe aïe aïe. Je pensais pas qu'il allait arriver là, lui. Prenez mon équipe avec un score de merde. Bon, c'est bien. On voit quoi, je disais mes vidéos invasion. Non, je n'arrête surtout pas ça. C'est ce qui pue le plus sur ma chaîne, on va dire. En tout cas, j'en ai l'impression. Oh mec, je l'ai brain. On va essayer de se rapprocher un peu d'eux. Enfoiré là. Bon. Oh, oh, il y a un carré. Non, sinon, ok, casse. Oh putain, il est là. Ouais, on a one shot. Mais ça m'arrive jamais, moi. Il y a que qui peuvent le faire. Bref. Bon, je pense que j'ai un peu tout dit sur des nouvelles. Sur Dark Orbit. Oh, mine. Oh, résistance 100% quoi. Ah, ils font chier avec leur... Ah, c'est pas grave. Mmh, ouais, donc, on va parler un petit peu de DayZ. Donc, pourquoi je ne fais plus de vidéos DayZ? Putain. Oh putain, qu'est-ce que tu fais là? Explique-moi. Pourquoi je ne fais plus de vidéos DayZ? Que le jeu manque de contenu. Enfin, là. Vous allez me dire, pourquoi tu fais pas des vidéos sur le mode alors? Parce que avec Arthur, on l'a un peu beaucoup séché. On l'a un peu beaucoup séché en fait. Et ça fait que on est un peu par-dessus la tête. Enfin, du mode overpush. Mais ouais, c'est pas très safe. Voilà, juste que. Parce que moi, entre temps, j'ai formaté mon PC d'ailleurs. C'est ce qui fait que je peux jouer à BF2 de moi. Parce que mon PC. Il y a eu un bug et à chaque fois que je voulais lancer ce jeu, ben, ça ne fonctionnait pas tout simplement. Et là, depuis que. Ouh, ben, oh la barrière! Ouh, t'as mon petit enculé là sur l'M16. Oh là là, je t'ai vu. Hein. Ah, je t'ai vu. Bon, donc, quoi, je disais, il manque de contenu, il manque un peu de tout ça parce que bon. Enfin voilà quoi, tu fais vite le tour du tour de bonheur.
malgré la nouvelle mise à jour. Attends, enfin malgré les nouvelles mises à jour. Oh là, lui c'est un terreur d'élite. C'est un petit enfoiré terreur d'élite. 2 litres. Oh non, c'est le reste. Là, je recharge. Oh non. Putain, donc je reste une masse de glace. Putain, il est mort. Bon, passer mon scred là. Ouais, il y a personne là. Mais par contre, ouais, dès que... Oh putain, oh putain. Ah, vive l'M16, hein, vive l'M16. Ouais, dès que j'aurais pris... Dès que j'aurais re-envie de rejouer les Z, bien entendu, je le ferai, avec plaisir, je ferai des vidéos dessus. D'ailleurs, j'avais tourné 2-3 trucs, mais... Mais disons que le manque de temps a fait que toutes les informations que j'ai, toutes les infos que j'avais mis dedans, bah, étaient un peu erronées, je veux dire. Je ne savais plus à rien. Et du coup, j'ai juste fait supprimer. C'est tout. Tant pis. J'ai même une fun musique, tout ça. Uniquement DayZ. De tourner en fait. Hein. Mais justement le temps fait que bah, j'ai eu le temps annulé ce projet, j'ai eu envie. Oh putain, c'est plus la merde ça. Ouais, ah il était là. Mais pourquoi quand je spawn il y a 3 mecs à côté de moi, c'est pas normal en fait. Ce serait bien qu'il n'y ait pas de personne comme ça. Donc oui, maintenant on va parler un peu du troisième titre, comme dirent nos amis, les, enfin ceux qui parlent de, enfin fuck, hein, c'est toujours pas le premier mot, allô Franck, ouais donc le troisième titre, le troisième paragraphe même, porterait sur mon prochain let's play. Putain, je pensais que j'étais mort, je sais pas pourquoi. Oh, Colette. J'ai eu extrêmement peur, j'ai tiré un peu partout parce qu'il était au DAO, ce fils de pute là. J'ai eu beaucoup peur. Mais bon, si j'aurais. Hop là. Ouais, bref. Troisième titre, let's play. Donc, j'ai deux. Oh merde, ça m'a coincé. J'ai deux jeux en vue. Après, est-ce que je vais faire des esprits dessus? Ça, j'en sais rien. Mais si le jeu me plaît, ça se pourrait très bien. Ce serait Murderhead et Into the Dark. Et ouais. C'est deux jeux un peu. Enfin, Murderhead, c'est un peu un truc d'enquête. Le jeu qui m'intéresse pas mal en ce moment. Enfin, je suis dans les trucs du monde, voilà. Oups, putain. Viseur holographique. Je vais au moins pouvoir holographiquer. Ouh, t'as mon gars que t'es moche, mon pote. Ouh, t'es moche. Personne. Il y a personne du tout. Oi. J'ai regardé il y a 2 secondes quoi. J'ai vu personne, je me suis barré. Bah non, je pouvais pas. Ah là là, sacré jeu de merde. Bon, j'ai à peu près fait le tour. Ouais, il reste quand même pas mal de tickets a priori. C'est même pas 300, c'est un 500 tickets, je dirais. Ouais, 500 tickets, ça fait un peu beaucoup en vidéo. Donc ce que je vais faire, je vais sûrement
Ah, je savais qu'il allait arriver, mais pas par là en fait. Et puis je pensais que j'aurais eu le temps de recharger, mais vu que la cage est très lente. Et crève, mon con. La cage, je crois qu'elle fait super mal, je crois qu'ils l'ont patché. Hein. Avant, on faisait pas aussi mal. Oh putain, s'il m'a vu, je suis mort. Ouh, qu'il est aveugle. Ouh, qu'il est aveugle. Oh putain, qu'il est pas aveugle. What? De là-bas, il a réussi à me tirer derrière. Wow, pourquoi pas, hein. Pas tout, hein. Oh putain. Les mecs comme ça, ça m'énerve beaucoup quand même. Qui jouent 11 secondaires là. J'ai un score vraiment plutôt potable à 39-20. C'est un score pratiquement de... Enfin un ratio pratiquement de 2. Ça y est, on a le ratio de 2. C'est plutôt pas mal. La plupart du temps, quand je dis j'ai un ratio de 2, j'ai un super ratio, machin connerie, je me fais déglinguer. Donc, vaut mieux dire j'ai un ratio de merde, je pourrais faire bien mieux. Ouf là, en plus, ici là, je crois qu'on en est du glitch. Ah merde, je pensais pas qu'il allait venir. Je l'ai vu, mais vu que j'ai pris plein de suppressions, je voyais tout flou. J'ai pu l'apercevoir et je me suis fait déglinguer le cul. Oula, ils étaient deux sur ma gueule, un à gauche et un à droite du conteneur. Ah, ce jeu. Ouais, bof. Je me tire d'ici. Ça me va. Oh, il y a du monde là-bas. Ok, du monde. Oh, salut toi. Je l'ai hit tout le monde, mais j'ai tué personne. Et ça joue à l'EK. Hein. Oh, il y avait un mec là-bas, mais je vais me concentrer sur lui. On va recharger. Sur l'intérieur. Oh putain, y'a un mec là. Oui, y'avait un aigle derrière. Je pensais pas qu'il allait crever, moi. Je pensais qu'il allait pouvoir me sauver, mais non, il est tellement nul qu'il ne peut pas. Ça fait déjà quand même 20 minutes qu'on est en vidéo pratiquement. C'est bien, toi là-bas. Ah putain, il était là-bas. En même temps, c'est du 32 joueurs. C'est un peu le bordel quand même. C'est vraiment le bordel, beaucoup même. Et supprimé du serveur. Oh ouais, donc sur Battlefield, je passais pigeon 16 il y a pas très très longtemps. Parce qu'il y a pas longtemps que je suis remis à Battlefield. Mais franchement, des fois ce jeu fait du bien. Mais parfois, tu rages comme un dingue. Oh, j'ai mis tout dans sa gueule là. Pour moi, il était mort le mec. Il était mort. Mais... Qu'est-ce que tu fais dans mon spawn toi? J'ai fait une foutue bordel sur ma gueule. C'est aussi un one shot. Mais... Oh, y'a un mec là-bas. Oh, y'a un mec glitch. Je me casse. Oh, y'a un quoi là-haut.
carton, je vais bien prendre la vie. Sinon. J'ai kiffé faire ça dans ces endroits-là. C'est un peu bâtard, j'avoue. Je kiffe. Il y a du monde maintenant. Cinquante-trois, vingt-sept. Bon, je suis plus un ratio de 2. Mais bon, ouais, c'est un score plutôt potable. Je me gratte le. Voilà le visage. Ah, j'ai plus de grotte. Ça va. Oh putain. Ah oh, putain. La M16. Vous savez quoi? Ben, je vais la prendre aussi. Ah, je sais pas. Moi franchement avec la MC je préfère la mettre sans viseur. Le viseur je le trouve très stylé de base. Je vais monter un peu, voilà. Je trouve ce viseur là très bien. Très bien même. Bon sinon après je mets le cobra comme c'est toutes les armes. Je ne m'emmerde pas trop. Niveau viseur moi je suis pas très difficile. J'arrive! Hop là! On a un peu le son, quoi. On n'avait pas eu le son. C'est quoi ça? Oh putain. Oh putain. Tant de camper tout. Tu m'énerves. Je suis sûr qu'il y en a d'entre vous qui vont me dire oh, t'es un noob, nanani, nanana. C'est que je suis, à chaque fois que je vise, moi je mets pas de coups. Enfin, sauf que c'est trop loin comme ça. Mais ouais, je sais pas, je sais qu'il y a, il y a des mecs, même de prix, mais des coups quoi, pour à 100% de précision. Ouais. Moi j'ai pas que ça à foutre, je suis pas là pour branler la souris. Tu veux ça toi? Après moi je crois. Oh, il y en a pas bas. Oh putain mais j'ai pris une balle. Une balle 117% de vie. Je sais pas où donner de ma tête. Hop là, c'est là-bas. J'ai pas où viser en fait, j'ai visé dans le tas mais au milieu en fait. Non, non, dégage. 62-30, bon j'ai re sur le 2. Là faut savoir que sur Battlefield j'ai réussi à récupérer mon ratio qui était de 0,86 à 1. C'est un truc qui m'a pris quand même pas mal de temps à faire. Donc là mon but forcément c'est d'aller à 2 de ratio. C'est pour ça qu'à chaque fois je regarde un peu où est-ce que j'en suis. Où est-ce que j'en suis parce que ça m'intéresse vraiment. Surtout augmenter ma précision en fait. Surtout,
aussi. Faut bien me dire, c'est pas en brûlant comme je le fais que. Précision, ouais. Oh putain, il est au-dessus. Oh non, c'est bon. Un peu. Pas justement. C'est 25 minutes de vidéo, mais j'ai plus rien à vous dire de spécial. Maintenant, je vais juste essayer de commenter un peu, combler cette partie. Je l'ai pas tué. Oh, l'handicapé, je pensais l'avoir tué, mais je me suis dit c'est bon, j'aurais dû tirer. Mais non, j'aurais pas dû tout tirer. Oui, il y a un mec là-bas. Alors lui, je l'ai littéralement one shot, quoi. Je mets une seule balle. Je peux vous, mais des fois quand je réanime des gens, bah, comme là, ça c'était pas en fait. C'est assez bizarre. Ah bon, ils vont gagner en plus. Je suis mort de je sais pas quoi. Toi qui veux one shot. Bon, bah c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu avec un petit score à la fin plutôt potable, j'ai envie de dire. Et on va voir un peu tout ce que j'ai débloqué. 10 000 points direct, quoi. Et la petite. Étoile de service M16, faut savoir que les étoiles de service M16, j'en ai pas beaucoup, hein. Franchement, ici on va voir un peu ce qu'on a. Où est-ce qu'elle est? Je crois que c'est par là, voilà. Ouais, il reste plus beaucoup de trucs à faire, dis donc. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime en bas, dans la description, dans les commentaires. Hein. Et moi, pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de soirée. Enfin, tout dépend de là. Enfin, quand est-ce que vous regardez cette vidéo, tout simplement. Et moi, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo sur Dark Orbit, certainement.